Voilà donc comment on réussit à prendre nos petites sœurs dans la sorcellerie. Elles sont là. Oh, s'il te plaît, tu fais comment pour que tes vies... Il dit qu'il y a un petit là dans mon inbox qui est venu, qu'il veut les vues sur ces vidéos. J'ai dit que papa, où tu es là? Est-ce que tu es prêt à donner? Parce que les nous là, comme ça, on fait comment pour avoir les vues? On est obligé de donner. Il dit que grande soeur, je veux tout faire parce que je veux devenir un grand influenceur. Franchement, la vie que je mène ne me laisse pas. Et vraiment, le dehors est devenu dur. Le Cameroun, personne ne s'en sort. C'est monté, c'est descendu. Il dit que bro, tu es prêt? Il dit que oui, il est prêt. Montre seulement la route. Oh, je suis allé au Cameroun, j'ai fait 3 jours, je suis rentrée. Grande soeur, on veut être comme toi. Il dit que, hé! Il me harcèle depuis des semaines. J'ai fini de dire que petit frère, je vais afficher ta photo. Je vais afficher ta photo, afficher les conversations. C'est là qu'il dit que non, franchement, pourquoi tu es mauvaise comme ça? Vous ne voulez pas que les gens évoluent comme vous. Vous êtes là, chaque jour vous vous faites de l'argent. Papa, il dit que j'ai quel argent? Je sors comme ça de mon job. Merci. Vous avez vu, j'ai publié aujourd'hui. Je suis fâchée parce que le petit là m'a mis une pression impressionnante. Voilà. Mes enfants et moi, on est obligés de manger le poulet. Ça, c'est le poulet. Le poulet du supermarché que j'ai acheté parce que je suis fatiguée. Il est 17h33, ma montre. Depuis le matin que je suis sortie, c'est maintenant qu'il rentre. J'ai même envie de me brotototot. Mais je suis fatiguée. Mais il n'est même pas pu. Parce qu'il faut... Gars, vous connaissez non Jorma, si tu restes debout jusqu'à tes pieds chauffent. Quelqu'un me dit que, regarde, comment vous êtes méchants. Vous ne voulez pas montrer la route aux gens. Pourquoi on doit faire comment pour devenir comme vous? Quand on va vous mettre dans les trucs qui ne sont pas bien, vous allez perdre vos vies comme ça là, gratuitement parce que vous voulez la facilité. Oh, je fais les vidéos, ça ne décolle pas. Toi, tu fais comment? Montre-moi. Papa, je publie au début ici là, mes gens sont témoins. Je ne travaillais rien. Je publiais même 10 vidéos par jour. J'ai mis la pression à l'algorithme. Il dit que tous les japap qui avaient, je parlais de ça. Du coup, l'algorithme, vu que ça proposait les vidéos des autres, potentiellement, ça pouvait proposer ma part. Les challenges, je faisais les challenges. Un peu, mes vidéos ont commencé à avoir des vues. Vous là, vous voulez ce que la voiture a cogné. Un me dit qu'il publie, ça ne donne pas. Je passe son corps, il dit que je veux voir. Hey, Anne-Marie, pourquoi tu cries? Mais jusqu'à ici, je n'arrive pas à respirer. Aïe, ah oui. Je passe son compte et je dis que je vais voir s'il publie. Aïe, ah. Je vois qu'il publie une vidéo. Il tape encore, mais c'est une semaine, 2 semaines avant de publier. Il dit que papa, c'est à quel moment que l'algorithme va te considérer? C'est à quel moment que l'algorithme va te prendre en compte? Si tu publies une vidéo aujourd'hui, tu publies encore l'autre la semaine prochaine. Donc tu veux que quand tu vas publier là, que toi tu es trop qui te connaît? Pour que tu dois publier une vidéo, ça doit prendre directement. Non, les gens sont dans la sauce. C'est comme ça que vous faites, on vous entraîne. C'est comme ça. Et vous n'aimez pas la vérité. Je suis une fille foirée. Je suis foireux. Ne voyez pas la voiture. Si vous avez dit que c'est la voiture, quelqu'un qui demande, je fais la vidéo dedans. Après, il remet la voiture d'autrui. Après, il remet la voiture d'autrui. Bientôt, là, dès qu'il finit la vidéo, c'est quelque chose pour voir si le vrai propriétaire vient. Je vais finir. Remettre les clés de la personne et marcher à pied. J'habite au moins à 15 km de où je travaille. Je vais une jormasse à pied. Où j'habite même, c'est la brousse. Il n'y a même pas le train, ni le bus. Vous comprenez avec quoi? Vous voulez seulement ce que la voiture a cogné. On doit faire le lit, faire les draps, parfumer, vous donner encore la femme ou bien le mari que vous allez dormir sur ça avec. Parce que vous ne pouvez pas faire vos choses par vous-même. Ça ne me dérange pas de faire la promotion. Vous voyez, je fais souvent la promotion et Dieu m'est témoin que je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Beaucoup de gens me contactent, demandez-leur. Anne-Marie, je voudrais que tu fasses ma publicité. Mais moi, j'aime être libre. Je suis un électron libre et dans ma tête, je me rappelle une fois, une chérie Coco m'avait... Ah, j'ai chaud, attends. Oh, où sont les trucs? Une chérie Coco m'avait envoyé une perruque que je fasse sa publicité. Malheureusement, malheureusement, la pub n'avait pas marché. Je m'étais sentie tellement mal que je l'avais appelée. Je lui ai dit, bon, je vais te payer la moitié pour ta perruque parce que là, la pub ne marche pas. Et je sais que c'est ton business. C'est comme ça là que tu gagnes ta vie. Je ne peux pas emprisonner ton argent chez moi. Pourtant, je bombarde les pubs. Ça ne prend pas. Franchement, je sais, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec cette fille. Pourtant, quand elle fait les pubs des autres gens, ça marche. Pour elle, n'avait pas marché. J'ai payé son argent à moitié. Je n'aime pas prendre l'argent des gens justement pour cette raison. Parce que
quand je prends, je veux que ça marche. Si je prends ta chose, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Par contre, quand par exemple quelqu'un me fait des cadeaux, personne n'est jamais venu vers moi dire que, à part elle qui était venue vers moi, dit qu'elle voulait justement la pub. Et qu'elle a dit là, c'est comme si Dieu a bloqué. Il y a ceux qui viennent. Ouais, ma, attends, je vais te donner. Quand on me donne là, il sait déjà que le sous-entendu, c'est qu'on va me donner, va parler de ça. Il va bien. Mais tant que bien. Non, c'est pas un problème. C'est. Moi, je le fais con piacere. Alors, je le fais con piacere. Et si ça marche, Dieu, mais si ça ne marche pas, je suis libre parce que tu n'es pas venu me voir avec l'idée de faire la publicité. Et jusqu'ici, ça a marché. Mais ceux qui viennent dire qu'ils veulent me donner leur argent, comme je disais tantôt, je suis un électron libre. J'aime pas prendre l'argent des gens parce que après si ça ne marche pas, je vais me sentir très mal et ça va beaucoup me déranger. Et vous qui venez me voir que je voulais les vues, moi je ne fabrique pas les vues. Moi je publie mes vidéos. Il y a des vidéos sur ma page qui n'ont pas 1000 vues. Il y a des vidéos de 2, 3 millions, 4 millions de vues. C'est pas moi qui fabrique. Je fais seulement la vidéo comme je suis en train de faire celle-ci. Celle qui marche va bien et si ça ne marche pas, va bien le stesso, cher. Pardon, je ne connais rien. Partez voir les vrais influenceurs. Moi, je ne suis même pas influenceuse. Quand là où ma vidéo me prend, je fais. Là où ça ne me prend pas, je ne fais pas. Pardon. Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent pour chercher à savoir comment monétiser leur page, ou bien mes frères qui sont à la diaspora, il y a plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander « Franco, j'aimerais monétiser les pages de mes frères qui sont en Afrique, mais je ne sais pas comment ça se passe. » Désormais, mon boss Patrick Nyekamga a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Donc, ne vous cassez plus les têtes, les amis. Il suffit juste d'entrer en contact avec Patrick Nyekamga qui va vous donner les modalités, comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche ce livre. Je vous le conseille vraiment.